Bonsoir, pardon à tout le monde. Alors, nous allons achever cet après-midi ici avec quelqu'un très intéressant. Vous connaissez pour beaucoup, j'imagine, bien, puisqu'il s'agit de l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou. Je l'ai connu il y a quelques années et on a fait dans toutes ces années, on a fait plusieurs rencontres. Et c'est quelqu'un de passionnant à plusieurs titres. D'abord, c'est quelqu'un qui a changé la vision des choses qu'il avait plusieurs fois au cours de sa vie. C'est toujours bon signe que de savoir changer d'avis entre l'âge de 15 ans et l'âge qu'il a une soixantaine d'années. C'est intéressant surtout par quelqu'un qui est mené par des convictions profondes. C'est une personne qui est venue en France et qui a étudié les sciences, biologie, médecine. Et que d'un coup, il écrit lui-même qu'il rencontre Dieu en une minute et toute sa vie est changée. Et ensuite, c'est un imam qui a mené toute sa vie adolescence et adulte en France et qui, sur certains sujets, a changé d'avis. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il était considéré comme, quelques années, plus de 10 ans, il était considéré comme un imam très conservateur. Et de plus en plus, il a changé d'opinion sur un certain nombre de points importants qui font que maintenant, c'est, en France en tout cas, un des imams considérés comme les plus libéraux et qui est d'ailleurs, à ce titre, un imam de réconciliation avec le pays dans lequel il habite. Et donc, à ce titre, il est très sollicité par les autorités politiques de ce pays. Donc, c'est considéré comme un interlocuteur très important maintenant pour tout ce qui concerne les rapports entre la communauté musulmane et la France, le pays où ils habitent. Et donc, c'est ça qui est intéressant chez lui. Et on finira évidemment par le sujet du jour. Est-ce que lui, en âme et conscience, connaissant la communauté musulmane comme personne, et connaissant la société française dans tous ses détails, puisqu'il a rencontré du haut jusqu'au bas de l'échelle des Français, est-ce qu'il espère vraiment que rapidement, ou dans un avenir proche, ces deux communautés qui semblent fracturer de plus en plus, est-ce qu'il a une vraie espérance et sur quoi se fonderait cette espérance? Sur le fait que le peuple français se trouve uni, quelle que soit sa religion. Merci. Merci beaucoup, Tarek Oubrou, d'être avec nous Merci ce également soir. pour l'invitation. Et juste un mot, vous connaissez Pau, vous, depuis longtemps. Oui, j'étais imam pendant Après, après. 3 ans ici à Bordeaux, à Hausse-des-Bois, pendant 3 ans. 3 ans imam Ouais. à Ouse-des-Bois, à Pau. Imam des caves. Donc à l'époque, la mosquée était dans une cave et l'école coranique où j'enseignais est également dans une grande cave, bien chauffée, parce que tout le chauffage du bâtiment était dans la cave. On a oublié ça, mais dans son premier livre, l'imam des caves, C'était aucune vers... mosquée n'était autorisée sauf la mosquée existante. Et toutes les réunions avaient lieu dans des caves pour de vrai. C'était pas. Oui, c'était pas une métaphore, c'est pas une métaphore, c'est une Non? réalité. C'était vers les années 80, hein. C'était les débuts de l'islam. C'était l'embryon de l'islam d'aujourd'hui, hein. Donc vous êtes sorti de la cave et on vous accueille aujourd'hui, on est très content, c'est bien. Alors j'ai dit que vous étiez quelqu'un qui avait eu le courage d'évoluer. Je dis le courage parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas que d'autres remarquent que sur certains points, ils ont changé d'avis. Et vous avez cette phrase dans un de vos livres, vous dites le Tarek Oubrou d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 30 ans. Ah, C'est, je trouve que pour un homme qui a un public,
à qui des gens font confiance sur, sur la manière dont ils parlent et à ces, aux musulmans de France. C'est courageux d'accepter de dire soi-même, comme vous le faites, que vous avez changé d'avis sur pas mal de choses. Écoutez, ce qui est normal, c'est de changer, d'évoluer. Sinon, c'est dangereux de rester toujours selon la même perception, parce qu'il y a l'expérience de la vie, et il y a également l'évolution de la pensée. Et c'est normal que les gens évoluent. On est des êtres paradoxaux par essence, et que la pensée et la vie, l'existence, ne peut évoluer que par des sauts de paradoxes. Un dépassement de soi. Tarek Oubrou, il y a 30 ans, et Tarek Oubrou d'aujourd'hui, si vous le mettez dans, vous les mettez dans une table ronde, c'est la bagarre qui va, qui va s'enclencher en deux secondes. Parce que nous portons en nous la contradiction. Et nous essayons de gérer cette contradiction. Mais également, il y a l'évolution. Cet islam n'existe pas dans le ciel. Il est appelé à vivre ici, maintenant. Donc, il passe par l'homme. Donc, il ne faut pas déshumaniser l'islam. L'islam, il est incarné par une expérience, une histoire, mais également une pensée critique en permanence, en quête vers ce qui est le plus réel, le plus vrai. Alors, ce qui est bizarre, c'est que vous étiez un étudiant scientifique. Biologie et médecine ont été vos domaines d'études quand vous étiez jeune. Et vous dites, en une seconde, j'ai rencontré Dieu et ma vie a été complètement changée du jour au lendemain. Juste un mot sur cette... on lit dans les livres, mais pour ceux qui ne l'ont pas vécu, on ne se rend pas compte du choc que vous avez dû ressentir, j'imagine. Oui, la foi, c'est une expérience intérieure, c'est presque de la mystique. Moi, j'ai été élevé dans une famille très sécularisée au Maroc. Très sécularisée. Oui, des parents enseignants, francophones, francophiles. J'étais musulman de culture, mais à l'âge de 19 ans, en deux secondes, j'ai reçu un coup de foudre. Heureusement que le coup est passé, mais la lumière de la foudre est restée. Et donc, c'est l'expérience, je dirais, mystique. Ce n'est pas du rationnel, ce n'est pas des mathématiques, ce n'est pas la physique. On est dans un autre régime du savoir par la perception gnostique intérieure. Donc, on est dans une autre épistémologie du savoir par l'expérience de la rencontre de ce qu'on appelle le divin. Ce qu'on ne peut pas nommer. Quelque chose qui vous habite, qui vous renverse complètement. Depuis ce jour-là, ma vie a été complètement renversée. Vous étiez où ? J'étais à l'époque à l'internat d'un lycée à Agadir, 6 mois avant de venir ici faire mes études scientifiques à Bordeaux. Et donc, je suis sorti du Maroc complètement... Vous étiez seul ? Tout seul, oui. Une nuit ? C'était pas... Bon, oui, comme ça. Comme ça ? Non, c'était quand même pendant une prière. C'était pendant une prière. Je me souviens très bien, pendant la quatrième prière canonique, c'était pendant une prosternation. Et cette prosternation, tout a été... C'est voilà. Ce jour-là, je vis sous l'inertie de cette prosternation où j'ai découvert vraiment ce coup de foudre mystique. Et voilà. J'essaie de rationaliser ce moment ce qu'on appelle par la suite. J'ai dû attendre parce que j'avais la foi, mais je n'avais pas le savoir. La foi, c'est une énergie, elle peut être explosive. Et donc, la foi, c'est quelque chose de redoutable. Il a besoin de l'éclairage de la raison. Donc, j'avais la foi, mais je n'avais pas beaucoup de connaissances. Donc, j'ai dû arracher la connaissance religieuse, la théologie spéculative, la théologie mystique, le droit canonique, l'herméneutique, etc., pour pouvoir justement éclairer cette foi pour qu'elle soit plus en ancrage avec le réel. Et on a parlé d'une deuxième évolution. Je ne sais pas dans... Si vous approuvez ce que je dis et ce que d'autres pensent, c'est que on se souvient qu'en 2014, donc il y a quelque temps, vous aviez désapprouvé la loi sur l'école, le port du voile à l'école, et vous êtes devenu maintenant, en quelques années, on dira l'imam qui représente l'aile libérale de l'islam.
Est-ce que vous avez changé d'avis et pourquoi? Non, au départ, je lisais la religion musulmane en abstraction du réel parce que je n'étais pas encore français. Je ne me suis pas encore marié. Donc, voilà, je pensais l'islam en fonction de ce que j'étais, comme beaucoup de musulmans. Vous étiez un jeune garçon. Avant le mariage, j'étais étudiant, je n'étais pas français. Donc, j'étais dans une perspective d'un retour au Maroc. Donc, pour moi, l'islam, c'est l'islam du bled, en rapport avec une culture majoritairement musulmane. Du pays d'origine. Voilà, donc j'étais dans les classiques, disons des choses comme cela. Quand je me suis marié, quand j'ai eu des enfants, j'ai dit, maintenant je suis français. Ma réalité, c'est la France. Si j'ai choisi d'être français, donc il faut en assumer les conséquences, parce que la citoyenneté française... Ce n'est pas un papier, c'est un engagement moral, c'est un contrat qui m'oblige, puisque le Coran me dit, au faux bil uqud, respectez le contrat. La citoyenneté, c'est un contrat. Donc je reste quand même un canoniste. Je reste un canoniste. Et donc j'ai dit, voilà, personne ne m'oblige de demander la nationalité française, mais je l'ai demandé, et je l'ai acquise, et donc je suis français. Donc j'appartiens à un destin. À la République, à une histoire, à la France. Donc, depuis lors, je ne lis plus les textes de la même manière. C'est-à-dire, en réalité, lire le Coran et la tradition du prophète se fait avec deux manières. Lire le texte dans le contexte du texte, c'est une chose. Essayer de comprendre le Coran, comment il communiquait avec les contemporains, comment le prophète parlait avec les Arabes de l'époque, il ne faut pas oublier que le Coran, VIIe siècle, comment il y avait ce compromis entre un principe divin absolu avec une réalité relative humaine, ce qu'on appelle l'herméneutique fondamentale, comprendre la communication divine dans une coupe historique bien définie. Mais comprendre le Coran et la tradition du prophète ici maintenant, c'est l'herméneutique appliquée. Et donc il faut changer d'épistémologie, c'est-à-dire à partir de la réalité française, la laïcité, le droit, la culture. Donc, j'étais obligé d'étudier les sciences humaines, le droit, la philosophie politique, les principes de la République, parce que c'est ma réalité, c'est à partir de cette réalité que je vais lire les textes. Donc, c'est de cette manière que les théologiens, les docteurs de la loi, ils ont toujours fait, c'est-à-dire ils lisent les textes selon l'épistémé, pour évoquer le concept de Foucault, selon la manière de penser liée à une époque donnée, c'est pourquoi les musulmans n'ont jamais été commandés par le Coran. Il y avait toujours une médiation doctrinale. Il n'y a pas d'église, certes, mais il y avait toujours une médiation doctrinale. Le commun des musulmans n'interprète pas directement les textes. Il a besoin d'une doctrine herméneutique qui lui permet de passer à l'interprétation des informations scripturaires, parce que dans le texte, on peut trouver la chose son contraire. Les textes, parce qu'ils ont été révélés dans des réalités contradictoires. 23 ans de révélation, la révélation a composé avec, parfois il y a des guerres, parfois il y a la paix, parfois il y a la réconciliation. Donc les versets ne se révélaient pas dans les mêmes circonstances. Donc j'essaie de comprendre les textes, comment ils ont fonctionné à l'époque du prophète, pour en tirer un paradigme pour pouvoir le comprendre et l'appliquer ici maintenant. C'est-à-dire qu'il faut extraire l'esprit du texte pour l'enrober, l'envelopper par la culture où je me trouve. C'est à partir de là que j'ai commencé à reformuler ma pensée, parce qu'une religion, ça se vit, mais ça se pense également. Donc je suis un pasteur, certes, un imam, qui est en charge d'une communauté spirituelle, mais je suis dans une communauté nationale, dans une réalité française. 21e siècle, il ne faut pas se tromper de siècle. Donc, j'ai fait un travail, d'abord pour moi, afin de le partager avec ma communauté. Mais entre mes convictions personnelles et la réception de mes pensées par la communauté, il y a un temps de latence et un décalage. Parce que ma communauté est travaillée par d'autres considérations. Parce que l'islam de France, en réalité, ce n'est pas un islam de France, c'est un islam maghrébin.
de France, un islam turc de France, oui, un islam subsaharien de France, parce que de tout temps, l'islam a été enrobé dans les cultures. Or, aujourd'hui, ce qui empêche l'intégration de l'islam dans la culture occidentale, ce sont les cultures d'origine qui se sont amalgamées avec la religion. C'est comme le principe actif qui se confond avec l'excipient. La religion, c'est un principe actif qui a besoin d'un excipient culturel, mais ma culture, je suis marocain au Maroc, mais ici, c'est la culture ambiante que je dois prendre en considération, non seulement le droit, parce qu'à un moment donné, j'avais fait l'erreur de conceptualiser, de théoriser l'islam en fonction du droit positif français. Donc, adapter la pratique musulmane en fonction de ce que dit la loi. Si la loi me permet de porter des babouches, je vais porter des babouches. Mais en réalité, je me suis trompé. À force des lectures, bien sûr, il faut étudier beaucoup. Hein. J'ai découvert que la culture, elle est plus normative que le droit. La culture est ? Elle est plus normative que le droit. Plus normative que le droit. Et oui, c'est la culture qui crée le droit. Donc, agresser une culture peut aboutir à changer la loi. Donc, ce que j'appelais la charia de minorité, la contraction de la charia pour qu'elle s'adapte au droit français. C'est-à-dire que le droit du musulman, c'est le droit français dans le cadre duquel le musulman va choisir des options éthiques personnelles à condition de ne pas troubler l'ordre public établi par la loi. Donc, je théorisais la visibilité de l'islam dans l'espace public en fonction uniquement du droit. Or, le droit, il est favorable à l'expression religieuse en privé, en public, individuellement et collectivement. C'est ça la définition de la laïcité. La laïcité, c'est pas anti-religieux. C'est pas anti-religieux, bien sûr. Oui. À une seule condition, ne pas troubler l'ordre public établi objectivement par la loi. Ça, c'est le côté rationnel. Donc, il y a un droit qui est favorable à la liberté publique, à la liberté individuelle, à l'expression religieuse, à une seule condition, ne pas troubler l'ordre public établi par la loi. C'est ça ce que disent les textes. Mais on est dans une culture laïque rétive. Là, on est dans la culture. Une culture laïque rétive à toute expression de la religion dans l'espace public. C'est une tradition. Parce que la laïcité française s'est construite contre la religion au départ. Contre la religion catholique à l'époque. Ah oui, contre le clergé. Donc, on a gardé les traces de défiance à l'égard de toute religion. Hier, c'était le catholicisme, aujourd'hui, c'est l'islam. Donc, j'ai dit, attention, il faut changer de paradigme. C'est pourquoi j'ai inventé un autre concept qui s'appelle la théologie d'acculturation. C'est-à-dire que le musulman doit adapter son comportement dans l'espace public en fonction des codes culturels ambiantes. Parce que ce qui gère les relations entre les citoyens français, ce n'est pas toujours le droit français, mais c'est les codes culturels partagés. Donc il y a une deuxième étape dans la théorisation de l'islam, du droit à la culture. À la culture. S'assimiler dans les valeurs de la République et s'intégrer dans la culture française. C'est le double défi qui attend l'islam d'aujourd'hui. Et quand vous expliquez ça aux musulmans auxquels vous vous adressez chaque semaine, ça ne pose pas de problème? Je le dis de manière plus pédagogique. Là, je le dis brutalement, mais il faut mettre les formes. On dit la pédagogie, c'est la répétition de différentes manières, etc. L'idée est simple, mais il faut toujours l'agrémenter avec des arguments, etc. Et d'accompagner une communauté qui subit beaucoup de pression. Il faut le souligner. Beaucoup de malentendus et qui passe également par une crise identitaire à l'image de la France. Donc tout le monde est crispé. Il y a une peur. Et cette peur, il faut la transformer en une peur heuristique, c'est-à-dire qui nous permet d'éviter le choc. C'est une peur positive, comme l'espérance doit être également positive.
Juste un retour en arrière. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai eu 4 enfants et je me suis marié en France. Est-ce que le fait d'avoir des enfants vous a aidé dans l'évolution qui est la vôtre? Vous avez été obligé de leur expliquer des choses. Ils vivaient dans des endroits qui n'étaient plus chez vous en permanence. Ils sont revenus avec des idées qui n'étaient peut-être pas celles que vous aviez envie qu'ils aient. Est-ce que ça a forgé le rapprochement avec la culture du pays où vous aviez choisi de devenir citoyen? Et d'abord, la première évolution, c'est mon évolution personnelle, déjà. Et puis avec le mariage, deuxième révolution. Vous en avez eu des coups de foudre dans votre vie, si je comprends bien. Et oui, voilà, les coups de foudre se succèdent. Et avec les enfants, on fait l'expérience d'être responsable. Comment intégrer ces enfants dans un monde incertain? Comment leur transmettre la religion, mais à travers les codes culturels de leur contexte. Donc, il y a toujours une discussion avec mes enfants. Aujourd'hui, il faut dire que nous apprenons le monde à travers nos enfants. Ils sont plus connectés que nous. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où les parents apprennent des enfants. C'est vrai, vous avez raison. C'est un changement qu'on a... Un changement incroyable. Anthropologique. C'est une révolution, c'est une rupture anthropologique. En vérité, on partage, on leur donne des principes, mais eux, ils nous enseignent sur la technique de la vie. Donc moi, je lance les principes, mais je négocie comment les éduquer techniquement, parce que c'est à travers le dialogue que l'enseignement passe. Même l'éducation, aujourd'hui, on est incapable d'éduquer nos enfants, si ce n'est que leur transmettre des valeurs. Parce qu'ils sont traversés par d'autres modes de communication, l'école, l'Internet aujourd'hui, etc., etc. Donc, il y a une forme de compétition, de transmission des valeurs. Et donc, effectivement, je dois intégrer toutes ces difficultés. Donc, pour moi, ma famille était aussi un laboratoire d'expériences existentielles du vécu religieux dans un pays laïque. D'ailleurs, la plupart de tous mes enfants, je les inscris dans des établissements privés catholiques, parce que je pense que c'est vrai, nous sommes dans un pays laïque, mais c'est un pays catholaïque, pour dire les choses. Oui, parce que notre laïcité est à dominante culturelle catholique. C'est pas une laïcité abstraite, hein. C'est une catholaïcité. Donc, il a encore les traces du catholicisme. Donc, le catholicisme, on ne peut pas comprendre la République, on ne peut pas comprendre l'histoire de France si on n'a pas étudié l'évolution du catholicisme, même s'il est aujourd'hui sécularisé. Mais la culture reste quand même structurante du mode de la pensée, même des Français les plus athées, ils restent, cognitivement parlant, fonctionnant avec le logiciel chrétien en général et catholique. En particulier, moi j'ai fait un peu de l'archéologie de la laïcité, donc on est devenu vraiment des spécialistes de la laïcité. Une laïcité malheureusement qui a omis un moment de contribution de la pensée arabo-musulmane. Parce que notre laïcité d'aujourd'hui n'est pas une génération spontanée. C'est vrai, il est à dominante culturelle catholique, mais... La pensée arabo-musulmane qui a habité l'Europe pendant 6 siècles. Une partie de l'Europe. Elle était à Paris. L'islam était présent par la pensée, la philosophie. Ah oui. Aujourd'hui, il est présent physiquement, mais civilisationnellement, est absent. Mais à une certaine époque, civilisationnellement parlant, il habitait l'université de Paris. Même si physiquement, les musulmans étaient l'ennemi, politiquement, mais intellectuellement, comme disait Gustave Le Bon, les Arabes nous ont éduqués pendant 6 siècles. C'est dur de le dire, c'est même humiliant. Gustave Le Bon, hein, c'est l'auteur de La psychologie des foules, et un gros ouvrage sur la civilisation des Arabes. J'ai lu un livre en 5 volumes de Georges Lagarde qui s'appelle « La naissance de l'esprit laïque au déclin du haut Moyen-Âge ». C'est-à-dire, le nom de la cité, il remonte au XIIe siècle.
il y a une laïcité par le politique, avec les rois, notamment le roi Bel, qui s'est opposé au pape. Donc, il y avait un souci d'émancipation politique par rapport à l'Église au IIe siècle. Mais il y avait également un point d'inflexion philosophique, laïque, qui a été introduit par la pensée d'Avicenne et d'Averroès. Paris, au IIe siècle, c'est-à-dire la France, était séparée en deux. Le séparatisme, ça remonte déjà à loin. Il y avait la France averroïste et la France anti-averroïste. IIe siècle. Donc, Georges Lagarde, dans un de ses volumes, il réserve cette histoire de la contribution de la pensée arabo-musulmane à ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité française. C'est-à-dire que la pensée arabo-musulmane n'est pas étrangère à la civilisation occidentale. Il faut que nos enfants sachent que les musulmans ne sont pas aussi étrangers que cela à cette civilisation occidentale qui est le fruit d'un apport universel gréco-romaine, judéo-chrétienne, arabo-musulmane. Bien sûr, c'est dur de faire avaler ça à des gens qui considèrent que les Arabes n'ont jamais contribué, mais le fait historique, rien que les faits, et les faits sont têtus. Donc effectivement, cette laïcité, je dois l'étudier pour pouvoir connaître ses origines et ses déploiements aujourd'hui. Donc je l'intègre dans l'économie de mon discours religieux. D'un côté, il y a un droit, et d'un côté, il y a les mentalités, il y a une culture. Il y a une situation de crise identitaire française que je dois prendre en considération dans mon discours musulman. Parce que je dois permettre aux musulmans de s'intégrer sans troubler l'équilibre laïque de la société. Donc je dois prendre en considération la société française. Je dis toujours que je suis l'imam des interfaces. Je suis l'imam des interfaces. Je dois être dans la communauté et en dehors de la communauté en même temps. C'est comme la mécanique quantique, non localisée. C'est comme l'esprit. Il est dans le corps et en dehors du corps. Il ne faut pas que je sois toujours dans le communautarisme, c'est-à-dire penser l'islam qui pense avec lui-même, les musulmans qui pensent avec eux-mêmes. On a besoin d'une théologie d'altérité et d'une éthique d'altérité. Donc il y a un travail intellectuel qui est le fruit d'une expérience. Le mariage, les enfants... la rencontre avec les chrétiens, avec les juifs, avec les athées, etc. C'est ça qui nourrit ma pensée théologique aujourd'hui. Alors, un point sur lequel j'aimerais avoir votre réflexion. De toutes les religions qui existent, monothéisme en tout cas, ou même ailleurs, aucune religion, jusqu'à plus ample informée, n'a de volonté de conquête. La chrétienté, elle l'a été, bien entendu. Mais pour le moment... aucune christianisation ou volonté n'existe. C'est pareil pour la religion juive et c'est pareil pour les religions d'Extrême-Orient. Comment se fait-il que l'islam est aujourd'hui, exprime dans certaines parties de ce qu'il est, la volonté de faire que tout le monde entier ou une partie des territoires où il devienne, adopte l'islam comme religion et comme loi. Dans votre question, il y a plusieurs strates et plusieurs questions. Pour répondre à tout cela, je vais essayer de faire un concentré. Non, mais juste, est-ce que l'islam qui est perçu comme une religion de conquête, c'est un sentiment qui est légitime de penser ça si, quand on n'est pas quand on est un observateur normal. Toutes les religions du salut, le christianisme et l'islam, ce sont deux religions du salut qui veulent sauver les gens, sauver les âmes dans l'au-delà. Vous comprenez ça? Donc, c'est une forme de générosité. Moi, je ne veux pas entrer tout seul au paradis. Je veux faire entrer le maximum possible de gens au paradis. Sauf que entre proposer et imposer, il y a une différence. Voilà. Donc, on parle d'évangélisation, les missions, etc. On le trouve, mais de manière pacifique. Voilà. Voilà.
ce qui s'est produit pour les musulmans, j'explique, on peut parler des croisades, on peut parler... Oui, mais ça, c'est le Moyen-Âge révolu. Voilà. Pour l'islam, il y a un vrai problème. C'est que l'islam, il est né avec la logique de l'État et la logique de l'Empire. Ce n'est pas comme le christianisme, il a subi pendant 3 siècles des persécutions, etc. Donc, il a dû faire beaucoup de concessions théologiques, dogmatiques, concile de Nicée, etc. L'islam n'a pas eu besoin de faire de concessions aux politiques parce qu'il est né avec l'État. L'erreur fatale pour la pensée classique musulmane, c'est confondre la mission prophétique du prophète et sa mission en tant que chef d'État, mais qui est une mission qui ne fait pas partie de sa prophétie. Lui-même, le prophète, disait à ses compagnons, « Je ne suis pas roi, je suis serviteur et messager de Dieu. » Justement pour éviter... Pour éviter la confusion. La confusion entre le temporel et le spirituel. Et il gérait la cité de Médine parce que c'est l'histoire. Parce que dans le Coran, il y a de l'histoire. Donc, mais l'histoire n'est pas notre code. Il ne s'agit pas de reproduire l'histoire du Coran, mais de reproduire le message du Coran ici, maintenant. Et c'est une erreur intellectuelle dont on paie le prix aujourd'hui. Et moi, je pense qu'il faut soigner les mauvaises pensées. Et c'est mon travail d'abord. Parce que changer la perception, c'est changer le comportement. Donc je suis un docteur de la loi, je refonds la perception de notre religion pour qu'on vive tranquillement avec les autres. Mais donc l'islam, il est né avec la civilisation. Et à un moment donné, on confond islam avec petit i, islam avec grand i. Islam religion, islam civilisationnel. Beaucoup de musulmans vivent l'islam en tant que civilisation. C'est une erreur monumentale. L'islam, c'est une spiritualité qui appartient au régime de l'esprit, parce que les civilisations naissent pour disparaître. Les systèmes politiques changent, mais l'esprit, lui, ne change pas. Le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, ce sont des spiritualités qui circulent. Alors pourquoi toutes les autres religions ont réussi là où l'islam échoue? Je suis en train d'expliquer que le fait que l'islam naisse avec la logique de l'Empire, la conquête politique est devenue comme une conquête religieuse. Parce qu'on pensait, en réalité, le prophète n'a jamais fait des guerres pour imposer la foi. C'est une erreur grave, puisque le Coran dit, tu n'as pas à contraindre les gens pour devenir des croyants. Le Coran est peut-être le texte sacré le plus clair en la matière. La ikra fi din, point de contrainte en matière de religion. S'il y a guerre, c'est pour se défendre, pour défendre sa foi, pas pour l'imposer. Parce qu'il faut savoir que l'islam, il est né dans un contexte où il y a beaucoup de religions. Ils ont vu dans l'islam une religion concurrente. Donc les politistes, les autres communautés, etc. Ils ont été attaqués, oui, bien sûr. Tous les prophètes ont été combattus. Jésus, tous les prophètes. C'est normal qu'une religion nouvelle, il a une hostilité qui se déclenche de partout. Des forces établies, oui. Donc on a confondu ce qu'on appelle le jihad défensif avec le jihad offensif. Mais le jihad du prophète n'était pas offensif, il était défensif. Et comment on guérit de cette affaire, de cette confusion? Il fallait attendre le 7e siècle, paradoxalement avec l'invasion mongole et les croisades qui ont failli faire disparaître complètement la civilisation musulmane. À cet épistémé-là, géopolitique, où il est apparu un savant qui s'appelle Ibn Taymiyyah, qui est paradoxalement confisqué par les salafistes, qui dit en réalité le jihad militaire, parce qu'il y a plusieurs jihad. Peut-être nous aurons l'occasion de parler de plusieurs significations du jihad dans le Coran. Le jihad ici, c'est le jihad militaire, qui s'appelle qital, qui est le combat. Il a dit, ce savant a dit, en réalité, on ne doit pas combattre le non-croyant pour son incroyance, mais on le combat à cause de son injustice en tant que transgresseur. Comment on peut combattre un peuple musulman transgresseur? Moi, je suis musulman, dans un pays musulman, ou bien en France, je suis combattu injustement par un pays musulman, je dois défendre ma nation.
Donc en vérité, c'est se défendre tout simplement. Donc il a renversé complètement la notion du djihad qui était pour les savants classiques comme un djihad perpétuel. Nous devons toujours conquérir, mais pas imposer. C'est-à-dire que vous pouvez rester dans votre religion, vous payez la dîme, mais on ne vous contraint pas, mais on doit vous dominer. Parce que voilà, la logique de la civilisation, c'est la domination. Donc on est sorti de cette épistémie-là. Personne aujourd'hui, même les savants contemporains, personne ne dit qu'on va combattre toute la planète pour la dominer ou bien pour la convertir. Personne ne le dit ça. Personne aujourd'hui. Sinon, c'est un fou. Il faut le mettre dans une clinique psychiatrique. Parce que c'est fou. Parce qu'aujourd'hui, tous les musulmans sont gouvernés par un régime de l'État-nation. On n'est pas dans un système califal. Il a été aboli déjà au siècle dernier. Donc, qui va déclencher le djihad interne? On n'a pas de pape, on n'a pas de calife. Et même le calife ne gouvernait pas tout le monde musulman. Les Ottomans ne gouvernaient qu'une partie du monde musulman. Oui, bien sûr. Donc, effectivement, le djihad, d'abord, comme a dit le prophète, le djihad majeur, c'est le combat moral contre soi-même, l'ennemi qui nous habite. Parce que c'est trop facile de trouver un ennemi extérieur, mais en vérité, l'ennemi, c'est nous-mêmes, notre ignorance, notre faiblesse. Le prophète a dit à un de ses compagnons, commence par toi-même et fais le djihad contre toi-même. Donc, il y a le djihad moral, il y a le djihad intellectuel qui s'appelle ijtihad, c'est-à-dire l'effort jusqu'à l'épuisement pour accéder à la vérité. Et il y a le djihad social, il y a plusieurs typologies de djihad. Le djihad, étymologiquement parlant, veut dire faire l'effort. Voilà, faire l'effort. Tendre vers quelque chose par le biais de l'effort. C'est ça le djihad. Et faire l'effort de faire le combat militaire n'est qu'un aspect de djihad dont la légitime de défense, tout simplement, ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre juste. Alors, le djihad aujourd'hui, nous avons aujourd'hui des soldats musulmans dans l'armée française. Ils sont accompagnés par des aumôniers militaires musulmans. Il faut le djihad pour leur nation. Parce qu'ils sacrifient leur âme pour leur nation et pour Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on donne un sens à cet effort. Au cas où il y a la mort, la mort n'est pas absurde, d'une certaine manière. Il faut donner une raison, oui. Donc, effectivement, ce que j'appelle, moi, le djihad républicain pour défendre la nation française. Ça, c'est une dimension de la citoyenneté. Donc, le djihad, le musulman, quand il est dans l'armée française, pour une cause juste, s'il meurt, il meurt martyr. Et donc, il y a la théologie qui change complètement. En tout cas, moi, je suis en train de théoriser cette notion de la citoyenneté et ses implications sur toutes ces notions coraniques. Tariq Oubou, expliquez-nous pourquoi un État théocratique officiellement musulman, je parle de l'Iran, peut mener une politique comme elle est menée, c'est-à-dire une terreur, une discrimination dingue entre mes femmes, on met en prise. Je veux dire, ce qui se passe là-bas, est-ce que ça ne donne pas de l'islam une... Parce qu'ils sont ils sont de religion islamique. Est-ce que ça ne donne pas définitivement, est-ce que ça ne prive pas la religion islamique en général d'arguments sérieux d'être une religion pacifique? Vous avez l'exemple, et humaine. Oui, vous avez l'exemple d'Indonésie qui est la plus grande démocratie musulmane. Donc, les musulmans ne se ressemblent pas. Il faut que je fasse la remarque que les musulmans appartiennent à l'espèce humaine. Ils ont le même code génétique et qu'il y a des bons et des mauvais. Il y a des systèmes politiques. Non, mais la loi iranienne, c'est la loi. Voilà, c'est un État théocratique. Ah, mais moi, si je suis musulman, je ne serais pas d'accord avec ce système-là. Parce que même dans un pays musulman, on doit appliquer la laïcité. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs lectures en islam. D'abord, c'est l'islam chiite. Oui. Moi, en tant que sunnite, déjà, la théologie politique chiite n'est pas la théologie politique sunnite. Donc, on est déjà dans deux théologies politiques différentes. Pour la théologie politique chiite, celui qui va gouverner la communauté doit être un religieux et infaillible. Ça s'appelle la doctrine de l'imama. Dans la doctrine sunnite,
le calife n'est pas un pape, n'est pas un imam infaillible, mais il est considéré comme responsable de la gestion temporelle d'une umma, d'une communauté où il y a des minorités non musulmanes. Donc, à la fois chef des croyants, mais chef également des citoyens qui ne sont pas des croyants. Je ne vais pas entrer dans la complication de la théologie politique, parce qu'il y a aussi les kharijites, etc. Donc, il y a plusieurs islams. Moi, quand je vais entrer dans un pays musulman, gouverné par le rite malikite, moi, je ne veux pas être gouverné en tant que musulman par le rite malikite. Donc, on a besoin justement de laïcité qui garde la neutralité, comme la démocratie anglaise, qui a été inventée pour justement que les églises ne s'entretuent pas. Il faut savoir que la démocratie est née pour gérer les conflits entre les églises, au départ. Depuis, la démocratie a été ouverte à d'autres options, les athées, les agnostiques. Il faut savoir que le théoricien de la tolérance, qui est Locke, il a réservé la démocratie à tout le monde sauf deux catégories. Les athées n'ont pas de place dans cette démocratie et les Turcs. Pour lui, les Turcs, c'est les musulmans. Parce que, voilà. Donc, je veux dire que c'est l'embryon de la démocratie. On n'est plus à l'époque de Locke, mais c'était vraiment l'embryon de ce que nous appelons aujourd'hui la tolérance. Donc, cette tolérance a été élargie aux athées, aux agnostiques, et aux musulmans, etc., etc. Mais effectivement, aujourd'hui, on a besoin de cette laïcité, que chaque pays invente sa propre laïcité qui gère le pluralisme convictionnel. On a besoin d'exporter cet universalisme à tous les pays. Moi, je suis parmi les gens, je suis responsable d'une association en lien avec les universitaires de par le monde arabe, où nous traitons cette question de la laïcité. Est-elle praticable et dans quelle forme dans ces pays-là? Donc il y a des intellectuels aussi de l'autre côté, il y a aussi des Iraniens. Vous savez, les choses vont évoluer. Vous savez, toutes les révolutions ne finissent pas toujours dans de beaux draps. Et je pense que c'est une question de temps. L'exemple de l'Iran, c'est une instrumentalisation honteuse de la religion. Et le premier à en souffrir, ce sont les citoyens iraniens. Bien entendu. Et voilà, toujours la première victime de ce totalitarisme, ce n'est pas l'Occident. Ce sont les musulmans qui vivent sous ces régimes-là. Et donc, comment accompagner les peuples pour s'approprier cette démocratie? Parce que la démocratie ne s'impose pas par le haut. C'est une culture, la démocratie. Donc, ça passe par l'éducation, ça passe par les échanges, etc. La démocratie en Occident n'est pas née du jour au lendemain. C'est une gestation qui était longue depuis le Moyen-Âge, en passant par le siècle des Lumières, par la Révolution. Donc, effectivement, il faut, je pense, à accompagner ces peuples dans leur propre évolution à partir de leur histoire. Alors, une question, Tarek Oubrou. On a l'impression, pour les observateurs, pour tous les gens à qui on peut parler, que le séparatisme qui existe en France en ce moment entre les musulmans, certains musulmans et ceux qui ne le sont pas, est plus important qu'il y a 30 ans. C'est-à-dire le séparatisme augmente. Vous parlez tous les vendredis et les autres jours aux musulmans qui habitent l'endroit où vous prêchez. Pourquoi cette évolution dans le mauvais sens? Peut-être il y a une raison démographique, parce que cette visibilité devient plus visible de jour en jour. Quand les musulmans étaient moins nombreux, donc il n'y avait pas d'enjeu. Il n'y avait pas de possibilité d'être séparatiste. Oui, quand on est tout seul, on n'est pas séparatiste. C'est ça que vous voulez dire? Il y a la tentation communautariste. Et puis, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, moi, je me souviens, vers les années 80, c'était moi qui disais la religion devant mes fidèles. De quoi? C'était moi qui disais la religion devant mes fidèles. Eh ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, nos jeunes sont plus connectés ailleurs. Donc, il y a un recul. On dirait qu'ils ne veulent pas, une certaine partie, hein, oui, ils ne veulent pas habiter la France. Ils veulent habiter
un islam exotique, d'une certaine manière. Ils veulent peut-être il y a un sentiment de non-reconnaissance, un sentiment, à tort ou à raison, d'exclusion, etc., qui fait naître ce séparatisme, parfois un communautarisme subi, parce qu'on a plaqué les Maghrébins avec les Maghrébins. Il y a une politique aussi qui a favorisé cette ségrégation. La géographie. Oui, la géographie joue pour beaucoup. On n'a pas su diluer cette population dans le reste de la population pour favoriser la rencontre de l'autre qui est différent. Donc il y a une partie qui incombe à une certaine politique de procrastination. On a laissé pourrir les choses. Et maintenant, on découvre que les choses, on a atteint un niveau très grave. Le pire, c'est le séparatisme mental. Mental. Oui. Le fait qu'un musulman, il est bien intégré, mais mentalement, il est déconnecté par rapport à la société. Et ce séparatisme mental, parfois, il est provoqué par un discours religieux qui n'est pas forcément fanatique, mais qui peut inspirer le séparatisme. Quand vous donnez un produit théologique canonique sur l'autre qui n'est pas musulman, quand vous l'handicapez par un certain nombre d'interdits, l'inflation normative qui tue la foi, la multiplication des interdits empêche le musulman de vivre spontanément avec Dieu. Donc il y a un problème dans le discours religieux, mais pas le seul problème. Il y a d'autres problèmes, d'autres psychologiques, sociologiques, économiques, qui font que il y a un séparatisme. Les gens, aujourd'hui, veulent vivre ensemble et qui se ressemblent, s'assemblent d'une certaine manière. Et donc, effectivement, il y a une tentation de clivage, de repli qui traverse toutes les communautés. Hein. Il ne faut pas croire. Tout le monde veut... Parce qu'aujourd'hui, le progrès, tout à l'heure, dans la table ronde précédente, il y avait l'incertitude. Mais oui. L'incertitude, elle crée l'inquiétude. Et donc, le progrès n'est plus une promesse de bonheur. Donc, les gens se crispent. Donc, l'inquiétude fait que les gens retournent au tribalisme, l'instinct tribal. Voilà, le tribalisme, je vais me protéger par ma famille, ma tribu, ma communauté, etc. etc. Et on comprend pourquoi la République est démocratique, laïque et sociale. Parce que c'est le social qui empêche le communautarisme. Parce que quand des communautés se prennent socialement en charge par elles-mêmes, ça risque de favoriser le communautarisme. Donc on a besoin d'une intégration sociale pour pouvoir justement décrisper ces communautés-là. Pourquoi, lorsque les attentats ont eu lieu en France notamment et dans d'autres pays, les criminels disent « Allahu Akbar ». Expliquez-nous ça. Ils sont des tarés. Allahu Akbar. Dieu est grand. Bien sûr que Dieu est grand, mais vous êtes minable. Pourquoi impliquer Dieu dans les crimes? C'est ça qui est aberrant. C'est pas nouveau. Hein. Dieu, au nom de Dieu, on a fait couler beaucoup de sang dans l'histoire. Oui, bien sûr. Etc. Mais bon. En réalité, les gens se divinisent eux-mêmes à travers Dieu. C'est ça un peu la psychanalyse de la religion. Généralement, on se sert de Dieu au lieu de le servir. Toute la psychanalyse de l'adoration, c'est ça. Même pendant la prière, vous vous dites, est-ce que je me prosterne pour mon ego, pour mon Dieu? En réalité, le Dieu, c'est la transcendance, c'est la sortie de l'ego pour mieux vivre avec les autres. C'est ça le principe d'une religion qui se respecte. C'est la tension vers le divin à travers la prière, le jeûne, etc., les pratiques spirituelles, pour tendre vers la transcendance, pour mieux vivre avec les autres. Et donc, une religion qui sépare, c'est la religion du diable, parce que Dieu unit et le diable sépare. Et le Coran le dit, c'est le diable qui sépare. Donc, là où il y a la séparation, Dieu est absent. Séparation avec soi-même, avec sa famille. Dieu n'aime pas les divorces. Il n'aime pas les séparations. Donc, toute lecture, toute pratique qui va dans le sens de la rupture, de la séparation est une mauvaise lecture, une mauvaise pratique. Donc c'est la réconciliation, la religion, elle est faite pour relier les gens et au-delà de nos différences. Et pourtant que de morts au nom de la religion. Pardon ? Et pourtant que de morts au nom de la religion. En réalité, comme je dis, vous savez,
la religion en tant que telle n'existe pas. Ce sont des hommes qui s'approprient cette religion. Hein. Oui. Donc le problème, c'est le problème des hommes, ce n'est pas le problème de Dieu, parce que Dieu, il a laissé les hommes se débrouiller entre eux. Alors, en tout cas, en islam, il n'y a pas d'incarnation. Dieu, il est resté dans le ciel et il a donné sa révélation. Débrouillez-vous avec ça, vous aurez l'islam que vous méritez. Et c'est ça la liberté, le libre arbitre. Il ne faut pas se cacher de... Je me souviens un jour, j'ai fait une conférence et une personne m'a posé une question, j'ai répondu. Et cette personne m'a dit, Monsieur Brou, je ne vous demande pas votre avis. Je veux savoir ce que dit l'islam. Je lui ai dit, écoutez, allez chercher Monsieur Islam et posez-lui la question. Un jour, un autre m'a dit, moi, je veux savoir ce que Dieu dit. Écoutez, mon vieux, montez chez lui et posez-lui la question. Moi, je vous livre ce que j'ai compris de ce que Dieu a laissé comme trace dans le Coran. Parce que le Coran, c'est une trace, c'est pas Dieu. Personne ne confond le Coran avec Dieu. Donc, cette distance entre les divins et l'humain me donne une latitude pour pouvoir interpréter, parce que je dois être acteur d'une religion qui me concerne. Dieu m'a laissé le Coran, la Bible, l'Ancien Testament. C'est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Il n'y a pas de coercition. Il y a une liberté de penser. J'essaie de comprendre les versets d'ailleurs du Coran s'appellent des signes, parce qu'il n'y a pas d'incarnation, ce sont des signes. Et le signe indique, mais ne dévoile jamais la vérité, il y a toujours le suspense herméneutique. Donc effectivement, je vous donne ce que j'ai compris du texte pour le pratiquer, ici et maintenant. La révélation, c'est la révélation dans le Coran, mais la révélation de Dieu, c'est aussi dans la réalité, où Dieu me parle à travers la réalité. Il faut que je comprenne ce que me dit la réalité pour réconcilier entre le donné révélé et le donné de la réalité. Donc, je vous propose cette lecture. Ne me parlez pas de Dieu et de l'islam. C'est à prendre ou à laisser. Parce qu'aujourd'hui, les croyants veulent accéder à l'absolu, la radicalisation. Ils veulent quelque chose de l'overdose, de ce qu'on appelle dîn. De puissant. Dîn, la religion de puissant. Je veux pas l'humain. Mais écoutez, vous liquidez l'humain, vous liquidez le divin. Il faut humaniser cette religion et les musulmans doivent apprendre à introduire un peu d'humanisme dans le rapport à leur religion. Donc Dieu nous a laissé le choix de vivre notre religion parmi les autres. Nous sommes des citoyens français, nous devons avoir une loyauté, une allégeance à la République, de vivre avec nos concitoyens, nos frères dans l'humanité, nos frères dans la République, parce que la devise fraternité également, il ne faut pas oublier ça. Il faut l'introduire dans l'économie de la théologie musulmane, ici, maintenant. Je voudrais qu'on finisse par le thème de ces journées, nos raisons d'espérer. Vous dîniez hier avec le nouveau cardinal et avec le grand rabbin. Si le grand rabbin, oui. Voilà, vous étiez ensemble à Royaume-Uni, dans le nord de la France. Tous les hommes politiques appellent Tariq Obrou en disant « Comment vous estimez la situation ?» etc. Vous êtes dans une ville importante de France où vous avez le contact avec toute la communauté musulmane dans laquelle vous avez quelques ennemis. Tout le monde n'est pas d'accord avec votre lecture, comme vous dites, de l'islam. Vous êtes un des seuls à avoir tous ces réseaux avec vous, y compris dans la communauté musulmane. Est-ce que vous pensez sincèrement, je vous demande de dire la vérité sur ce que vous pensez. Vous pensez sincèrement qu'on va vers une possibilité que ces séparatismes se réduisent, ou bien tout ce qui se passe dans le monde, l'évolution de ce que vous disiez, être le rapport avec la technologie, on cherche des amis, on veut un ennemi pour avoir la sensation d'exister. Qui va l'emporter des deux ? Je ne sais pas, dans les secrets de Dieu. Non, je ne vous demande pas de faire un... Je vous demande, vous, qui avez le contact avec tout ça. Moi, ce que je peux dire, vous savez,
on dit change-toi, l'histoire changera. Je crois au changement individuel. Tout part de l'individu. Donc il y a une responsabilité individuelle qui m'incombe. C'est ça qui va m'intéresser en premier lieu. Je n'attends pas du politique, du monde. Qu'est-ce que je dois faire ici maintenant? Tout le monde doit penser comme ça. Et l'espérance, c'est un espoir actif, un pessimisme de raison et un optimisme de volonté. On fait un constat, il y a un risque, et ça doit doper en nous la volonté de changer. C'est un catalyseur de l'action. Et donc, comme ça a été dit tout à l'heure, l'espérance, ce n'est pas une paresse de l'esprit, ce n'est pas de la passivité, mais on est espérant qu'après avoir accompli son devoir, sinon ce n'est pas l'espérance. C'est comme quelqu'un qui prend le train pour aller à Paris et prie Dieu et espère arriver à Toulouse. C'est se moquer du destin. Il n'y a d'espérance que lorsqu'il y a action. Et donc voilà, action, espérance. Moi, je pense qu'il faut agir. C'est jamais trop tard. Hein. Il y a des problèmes dans le monde. Il y a des problèmes. Mais il y a également des progrès également. Il faut voir un petit peu. Heureusement, aujourd'hui, les sociétés sont plus prospères qu'avant. On est moins malade qu'avant. On est moins pauvre qu'avant. Malgré tout, il y a des inégalités, certes. Il y a l'écart entre l'écart social entre les gens, ça grave, mais le seuil de la pauvreté, surtout dans nos sociétés, diminue malgré tout. On aspire toujours, on espère toujours, aspirer et espérer toujours vers le meilleur. Je pense que c'est ça l'aventure existentielle, on aspire toujours au meilleur. Aujourd'hui n'est pas pire qu'hier, et le bonheur ne dépend pas forcément de la matérialité de la vie. Comme Rousseau l'a bien relevé lorsqu'il parle du sauvage. Il parle avec les civilisés. Il dit, de toute manière, on n'a jamais trouvé un sauvage qui se suicide. Ça veut dire que le bonheur, l'attachement à la vie ne dépend pas à l'avoir, mais à l'être. Et je pense qu'il faut... il faut jouer sur le bonheur spirituel, sur la qualité de vie. L'écologie est un élément très, très important parce que c'est ça la menace également. Le remplacement, ce n'est pas le remplacement démographique, c'est le remplacement de la machine et des algorithmes et les catastrophes naturelles qui vont anéantir toutes les civilisations. Il faut savoir que les catastrophes ont fait disparaître beaucoup de civilisations. Donc parfois, on se trompe d'ennemi. On a un ennemi commun, si c'est l'ignorance et c'est la dégradation de la nature. Il y a des gens qui vous menacent quand vous dites des choses pareilles ? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas trop dans les réseaux sociaux, mais comme tout acteur, il y a ceux qui vous encouragent, il y a ceux qui cherchent votre peau. C'est comme ça. Il n'y a pas un être humain sur Terre qui n'a pas d'ennemis. Mais il ne faut pas se tromper d'ennemis. Moi, je pense que l'ennemi nous habite nous-mêmes. Moi, je n'ai peur que de moi-même faire des gaffes, faire des erreurs et égarer les autres. À partir de là... La conscience tranquille. Pardon ? La conscience tranquille. Et je sais que mon âme est dans la main de quelqu'un qui détient le monde. C'est Dieu. Donc, je reviens à mon coup de foudre de départ. Ouais. Cette rencontre avec le divin auquel je fais confiance. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas. Ça...
Je ne sais pas d'où ça vient, mais je l'ai ressenti comme ça. Vous avez été inspiré ce soir. Par qui, je ne sais pas.